Super C, chez Super C, cette semaine, écoute. Le jambon fumé, l'évêque avec l'os. Il n'y a pas l'air de dire, on dirait un saint demi, là, comme ça, mais marqué avec l'os. Donc, j'imagine. Puis, il n'y a pas de couenne, surtout. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, quand on achète un jambon dans la fesse, là, ça vient, tu sais, les grosses couennes, là, les gros gras, là. Fait qu'on y a beaucoup de pertes, là, tu sais. Puis, ça. Je sais que quand tu es en spécial à 99 cents la livre, bon, tu dis, OK, c'est de la grosse perte, mais. Pas cher. Mais là, tu as moins de pertes parce qu'ils ont enlevé la couenne, ils ont laissé l'os pour donner plus, ça donne plus de goût, puis c'est la partie que j'aime, là. L'épaule, j'aime bien, puis cette partie-là aussi, l'en fait, ce que j'aime bien aussi. Est à 2,49 la livre, ou si tu peux faire 5,49 le kilo. Si on met de côté qu'ils ont enlevé la couenne, là, ça devient intéressant, là. Le prix est bon. C'est un bon prix. Puis ça, là, ça, c'est facile à faire avec lui, là. Tu mets ça dans un gros chaudron. Tu sais, tu en prends un, là, tu sais connaître tes chaudrons. Là. Tu sais, tu choisis là, un qui va rentrer dans ton chaudron puis qu'on va pouvoir recouvrir de liquide. Moi, je mets un litre ou deux, tout dépend de la grosseur, mais un litre sûr là, de jus de pomme. Hein? T'en spécial cette semaine, tu vas voir à 88 cents quelque part. Là. Tu en prends un, tu le vides dedans, dans ton chaudron, tu mets ton jambon là-dedans, puis tu compenses, tu remplis avec de l'eau, tout simplement, jusque par-dessus ton jambon, puis tu le fais cuire là. Tu l'amènes qui bouille un petit peu, puis après ça, tu le mets au minimum, là, tu sais, à 2, 3, là, puis tu le laisses. Moi, je le laisse assez longtemps, un bon 2 heures, je te dirais. Mais regarde, tu le paquettes, tout dépendant. Des fois, il va te donner des indications, parce que si tu le fais trop cuire, là, il se défait tout, là, tu sais, ça va de bon sens. T'es même plus capable de le sortir du chaton. Fait qu'il faut pas venir fou non plus, mais quand même, c'est vraiment facile. Avec une petite patate, hein, une petite bonne petite patate pilée avec ça, là. Des carottes, là. T'as tout ça en spécial cette semaine, donc ça te fait un super, super pas cher. Puis en plus, ben. Hey, il te reste du jambon après, c'est sûr, là, quand je fais du jambon, c'est jamais juste pour le souper, donc il t'en reste là, pour les fous et les fins, comme on dit. Puis t'en as pour tes lunchs, puis t'en as pour d'autres soupers, puis tu peux t'en faire des cubes après ça, puis dans une salade, par exemple. Ou, écoute, je te donnerai pas plus d'idées que ça, parce qu'on n'arrêtera pas d'en dire. Il y en a tellement de choses qu'on peut faire avec du jambon. Ça vaut la peine d'en avoir. Donc, c'est chez Super C, ce bon petit jambon-là, dans le fesque, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Aussi, les poitrines de poulet, comme je t'ai dit tantôt, désossées. Lui, il n'y a pas les os, il y a juste les poitrines de poulet désossées à 3,99 la livre, si tu préfères 8,80 le kilo. Ça, une poitrine comme ça, comme je t'ai dit, hein, c'est super la poitrine de poulet là, désossée. Moi, j'en veux tout le temps. Donc, c'est chez Super C qu'il y en a aussi. Aussi, chez Super C, les côtelettes de porc frais. Là, c'est le paquet, écoute, c'est 1,77 la livre, pas cher, ou 3,90 le kilo, hein, pas de 2 piastres, là, pour des chops de porc. Là, ici, tu as le duo. Donc, tu as les trois bouts de côte puis les trois bouts de surlonge. Donc, c'est des parties différentes. Donc, il y a un peu plus de gras normalement que les. C'est sûr que la coupe du centre, mais ça a un petit goût. Pas parce que le gras, ça donne du goût. Puis quand tu le fais cuire, ça fond, puis ça s'enlève bien. Ça s'enlève super. Le gras, ce qui est le fun avec le porc, c'est que le gras s'enlève super bien parce qu'il est toujours à l'extérieur du muscle, là. Même dans des bouts de côte comme ça, des fois on le coupe et on voit, mais c'est quand même assez facile à enlever le gras dans ton assiette un coup. Parce que tu veux pas manger ça, hein? Parce que là c'est moins bon là, quand tu manges le gras de porc. Par contre, si tu manges pas le gras, tu manges juste la protéine, ah là, tu obtiens quelque chose de super pour ta santé. Donc écoute, c'est ça, c'est déjà fini pour la liste de papa de cette semaine. Écoute, si t'aimes ça, ma liste, fais un commentaire. Hein? Fais-moi un petit j'aime, partage ça à toutes les gens les personnes responsables, tu sais, c'est les gens là, qu'on suit sur eux autres là, pour faire là, les commissions, le budget, puis qui s'agrissent pour remplir le frigidaire, puis qu'il soit toujours plein. Donc, écoute, si on peut les aider, si je peux t'aider, si tu peux les aider, partage ça parce que vraiment, c'est un must de voir la liste de papa popote à chaque semaine. Ça sauve un temps fou. Je le sais parce que tu n'arrêtes pas de me le dire puis de me l'écrire, puis j'en suis bien conscient. Donc, c'est super. Fait que là-dessus, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote. Tiens. À bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.